Romanov sur Europe 1. 11h, midi et demi, Anne Romanov. Il est temps, comme chaque samedi à la même heure, de retrouver le schtroumpf grognon de cette équipe. C'est mignon. Notre mini-moy à nous, Willy Rovelli, qui a encore de mauvaises nouvelles à nous apporter. Oui, Anne, je suis désolée, mais comme le disait si bien Annie Cordy, que les moins de 204 ans ne peuvent pas connaître, je voudrais bien, ouin, 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 mais je peux point. Ouin, 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 ben, je suis désolée, mais je ne peux point vous dire autrement que... L'heure est grave. Oui, l'heure est grave. Qu'on laisse nos politiques tranquilles. Je vous écoutais, Anne, y en a marre, quoi. Trop, c'est trop. Moi, je vais finir par ouvrir un centre de SPP, la Société Protectrice des Politiques. Là, mon refuge pour les accueillir, parce que là, ils sont maltraités. Bah, là, mon refuge serait déjà sacrément chargé, hein. Bah, venez, je vous emmène dans la première cage. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaboration. Oui, allez, chute, François, tu radotes. Donne la patte. Oui, donne la patte, là. Allez, si tu veux que les gens t'adoptent, va falloir que tu te calmes maintenant. Allez. Moi, président. Oui, ça va, calme-toi. Continue. J'ai demandé pardon. C'est à ceux à qui j'ai demandé pardon de décider. En oui, voilà. Bon, ça, c'est un politique de la race des Cahuzac. Hein, je l'ai trouvé attaché à un arbre le mois dernier, dis donc. Abandonné la veille des vacances de Pâques. Pauvre bête. J'estime que la gravité de cette faute. Oui, allez, chut, calme-toi. Allez, va chercher le canton suisse. Va. Allez, va chercher. Oui, il est un peu con, il va les chercher, mais il les ramène jamais. Ensuite. Voilà. C'était de l'argent qui était donné comme ça, effectivement, qui n'avait pas de voilà. Statut. Alors lui, il vient d'arriver, c'est un géant. Hein. Il est moche, hein, mais il n'est pas méchant. Alors qu'est-ce que t'as fait, toi? Qu'est-ce que t'as fait encore? Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, j'ai jamais fait de blanchiment d'argent. Je ne sais pas si ça se pratique. Oui, enfin, que je sais. Oui. Oh, il est un peu foufou, il dit n'importe quoi. Tu vas te foutre de notre gueule encore longtemps, dis. Excusez-le, hein, c'est une vieille bête malade qui dit n'importe quoi avec ses deux tableaux d'un peintre flamand que personne ne connaît et qu'il aurait revendu pour 500 000 euros. Dis, oh! Non mais moi, tu te rends compte, pour revendre des tableaux 500 000 euros, faudrait que j'en vende 500 000. Putain, j'ai que des tableaux minables chez moi. Si, dans le salon, j'ai acheté chez Ikea non, aussi. Bah voilà, mais bah attends, non, dans le salon, j'ai un portrait de Marilyn par Andy Warhol. Wow. Ah. Enfin, par Conforama, surtout. Je l'ai mis hier en vente sur leboncoin.fr, si j'en tire 19 euros, je serais déjà content. Sinon, j'ai rien. Assis dans ma chambre, là, j'ai un tableau de chasse. Mais là, depuis 3 ans, il est vide. Hein, il vaut pas un clou. Ah, j'en tirerai rien. Je sens que j'ai perdu la main. Et toi, là, viens coucher avec moi. Tiens. Oh mince, encore raté. Allez, viens, on baisse 5 minutes, juste 5 minutes. Merde. Oh, bah reviens, je te paye s'il le faut. Bon. Et qu'est-ce que je constate? C'est la première chose, c'est que dans cette affaire, oui. Une fois de plus... Allez, Goyan, couchez maintenant, ça suffit les conneries. Là, là. C'est qu'à cause de vous, là, les gens... Oui, tais-toi. À cause de lui, là, les gens ne veulent plus de bêtes de politique comme animal de compagnie, et je les comprends. Entre l'un qui planque de l'argent au fisc, lui qui ne déclare pas ses tableaux non plus. Bon, bah, vu que l'escroquerie, c'est un petit peu à la mode en ce moment, alors moi qui viens de recevoir ma feuille d'imposition 2012, je sens que je vais aller au trésor public et leur dire droit dans les yeux... Ne cherchez pas, je crois que j'ai oublié un salaire ou deux que j'ai fait dans l'année. Ma femme de ménage, je l'ai si aussi oubliée sur ma déclaration. Allez, ma déclaration. Oh bah attends, j'ai pas fini, regarde. Mes droits d'auteur aussi, je les ai zappés. Oh, un jour, c'est ma tête que je vais oublier. Ne cherchez pas les capitaux mobiliers. Je les ai aussi oubliés, dis donc, sur ma déclaration. Eh oui, ma déclaration, voilà. Je suis tête en l'air en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Surtout, c'est que tout le monde commence sérieusement à en avoir marre et que là, avec cette histoire de tableau, bah, nous, c'est toute la classe politique qu'on commence à ne plus encadrer. Ouais. Samedi Romanov, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h midi et demi.